Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor parce que tout simplement il fait archi beau et je voulais utiliser un petit peu la lumière naturelle et puis ben voilà en fait. Donc c'est tout naturel aujourd'hui, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée, les dents si je les ai brossées, mais voilà, en gros c'est vraiment naturel, c'est les vacances donc voilà quoi, pépère. Donc du coup voilà, on se retrouve dans ma cuisine donc voilà, et je vais vous montrer les petits trucs que j'ai achetés en fait. Donc je pars en vacances dans 2 jours. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais à mon avis ça sera après mes vacances. Mais en gros là pour vous situer, j'ai commencé à faire les soldes parce que je n'ai pas eu le temps de les faire au tout début en fait. Donc du coup j'ai fait la troisième des marques et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc il y a de la déco, il y a pas du make-up. Non, le make-up j'en ai pas acheté. Il y a de la déco et des vêtements surtout parce que j'en avais vraiment besoin. Donc du coup voilà, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Donc alors on commence tout simplement avec un truc que j'ai à côté de moi. Je ne me souviens peut-être plus vraiment des prix. Donc excusez-moi, je vais vous dire approximativement combien que ça a coûté. Donc alors, il y a déjà un petit truc comme ça que j'ai déjà rempli. J'adore, j'en suis fan, j'en avais pas et j'en voulais. Hein, absolument. Donc c'est un petit mug on va dire, donc du coup voilà, il se présente comme ça avec écrit monsieur. Alors pouce, si vous entendez des bruits d'avion, des bruits de voiture, c'est normal, j'ai les fenêtres ouvertes. Tout simplement. Donc du coup, je vais essayer de parler un peu plus fort. Avec une petite moustache, et voilà, donc c'est un gobelet, enfin un gobelet, c'est en verre, hein, donc voilà. Et là dedans j'ai mis un petit peu de jus de pastèque. C'est trop bon, franchement c'est trop bon, ça désaltère vraiment. Pour l'été, si vous avez trop chaud, je vous conseille vraiment le jus de pastèque, c'est juste exquis. Auchan, et j'ai acheté 2 petites crèmes solaires, donc une crème solaire 30 protection, donc 30, donc c'est haut, quoi, une haute protection. Il n'y a pas de paravène, c'est la marque Lovea, donc je ne sais pas si vous connaissez. Alors, il y a un petit peu de... Enfin, c'est au monoï de Tahiti, résistant à l'eau et tout, et puis vous pouvez bronzer tranquille, quoi, sans être grillé comme une merguez. Et ensuite, j'ai pris un après-soleil, toujours de chez Lovea, toujours de la même gamme, avec du monoï à l'intérieur. Ça sent super bon, et ce qui est bien, c'est que c'est visage et corps. Donc voilà, c'est super bien. Je crois que c'était l'huile solaire, enfin la crème solaire, elle devait coûter 6 € ou 8 €, je sais plus. Et puis l'après-soleil, 5 €. Donc du coup, je trouvais que c'était vraiment pas mal pour les prix. Et puis voilà, j'ai jamais testé ça, mais bon, on verra bien. C'est surtout pour mon chéri parce que bah, il est un petit peu blanc et bah, ça prend vite le soleil, quoi, on va dire. Et comme il n'y a pas beaucoup de soleil à Paris, notre peau est plus trop habituée, on va dire. C'est parti! Chez Camailleux, j'allais vous dire 2 fois, mais en fait c'est vrai, je suis partie 2 fois chez Camailleux, mais la deuxième fois je n'ai rien trouvé. Donc du coup, la première fois, je suis en manque de pantalons, un truc de malade. Donc du coup, j'ai acheté des pantalons. Il y avait une super promotion. 3 articles soldés, enfin oui, 3 articles soldés achetés, le troisième il était à 1 €, donc, enfin 2 achetés à 1 €, quoi. J'ai halluciné en voyant ça, j'ai fait bon bah c'est parti. Donc du coup j'ai pris un pantalon. Je crois que je vais le mettre et puis je vais vous faire un petit truc. Donc du coup voilà, c'est un pantalon en boy fit, il s'appelle ça. Donc voilà, un pantalon très loose et tout, j'aime beaucoup. On est vachement à l'aise à l'intérieur. Je vais vous faire un petit, je sais pas comment ils appellent ça, vous savez, je vais vous mettre l'image juste là. Moi je l'aime beaucoup ce pantalon, il est juste génial. Le deuxième pantalon que j'ai acheté chez Camailleux, c'est un pantalon type sarouel on va dire. Un pantalon super loose, il est vraiment trop bien. Donc il est un petit peu court, mais moi j'aime bien avec un petit nœud. Je vais vous montrer également en petite image là. Excusez-moi, il fait chaud à Paris, il fait 20 degrés, il fait trop chaud là. Bref, chez Camailleux, on continue. J'ai acheté un petit haut. Donc voilà, avec des ananas dessus. Donc il se met en croisé comme ça. Vous allez mieux voir quand je vais le porter.
Donc voilà, il est super sympa, je trouve. Je l'ai payé 9,99 € moins 30%. Voilà, il est là le truc. Donc alors, le t-shirt, il m'a coûté 5 €. Donc avec la réduction, 5 €. Le pantalon, un petit peu type Sarouel, 25,19 € quand même, avec la promotion. Et ensuite, le jean, il m'a coûté 11,99 €. Donc en fait, le pantalon Sarouel, c'était vraiment un coup de cœur et je voulais le prendre. Donc du coup, voilà. En plus, il est en toile, il est trop bien. Et le troisième article à 1 €, donc moins 4 €, ça m'a fait 38 € et 18 centimes chez Camaïeu pour deux pantalons et un t-shirt. Ensuite, le côté un peu moins glamour, qui dit été, dit forcément... Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas avoir de poils sur les jambes, ni ailleurs, on va dire. Et du coup, j'utilise cette épilation, on va dire, enfin, cet épilateur, cette cire, voilà, enfin, j'ai trouvé le mot. Donc, en fait, c'est de la marque Nair. Et là, c'est au lait et miel. Je trouve que c'est super bien pour peau sensible. C'est juste top. Ça sent super bon. Et ça se fait très, très rapidement. Et puis, on n'a pas trop, trop mal, je trouve. Et c'est pas cher. Ça coûte 6 €, je trouve. Ça vous fait deux applications. Après, ça dépend. Si vous en mettez des tonnes et des tonnes et des tonnes, ça vous fera qu'une seule application. Mais ça vous fait deux applications. Et il y a des bandes à l'intérieur, des bandes qui se nettoient. Donc, du coup, voilà, je trouve ça vraiment top. Je suis partie chez H&M. Donc, alors bon, c'est pas vraiment pour nous, ça c'est pour mon chéri. Donc je lui ai pris ce petit t-shirt, trop beau je trouvais, il était vraiment sympa. Bon, il est tout simple, hein, mais il est vraiment sympa. Et puis je voulais vraiment sortir quelque chose, enfin sortir de chez H&M avec un t-shirt pour lui. Donc il était à 4 € au lieu de 10 €, donc je trouvais vraiment sympa. Avec un petit bleu comme ça, en fin de compte il est bleu marine avec des écritures bleues et il est vraiment pas mal. Toujours chez H&M, il va falloir que je le repasse lui parce que... Il est un petit peu froissé. Donc ça, c'est mon chéri qui l'a trouvé. Et il est vraiment trop beau. Donc je vais l'essayer aussi. Je vous ferai un petit... Ah, c'est un t-shirt noir tout simple. Mais en fait, il fait vachement décontracté. Mais aussi habillé. Et avec des petites flanelles. Là, je sais pas trop comment dire. Des petites manches trop mignonnes. Et il est en style un petit peu satin, un petit peu style satin. Et je trouve ça vraiment trop mignon. J'adore. Et je l'ai payé, au lieu de payer 25 €, j'ai payé quand même 8 €. Donc franchement, ouais quoi. Ensuite, alors ça, c'était un coup de cœur. Mais waouh. Donc du coup, c'était chez Rouge-Gorge. Donc Rouge-Gorge, en fait, il faut savoir que, comme vous pouvez le constater, comme je pouvais le dire à chaque fois, j'ai une grosse poitrine. Et Rouge-Gorge, c'est le seul magasin où je trouve vraiment des choses à ma taille au niveau de la poitrine. Donc du coup, les filles, si jamais vous avez une grosse poitrine comme moi, il faut aller chez Rouge-Gorge. Franchement, vous allez trouver des trucs qui ne font pas vraiment mémérisant et des trucs vraiment sympas, quoi. Et je vais chez eux à chaque fois et je trouve des trucs vraiment pas mal et c'est pas si cher que ça. Et c'est des bons soucis. Bref, j'ai trouvé ce petit body bleu et noir. Il est juste magnifique. Il faut juste mettre bon un petit débardeur en dessous. Mais il est juste trop trop beau. Je suis en adoration dessus. Il y a une petite fermeture là. Donc voilà, ça s'ouvre. Il est juste trop beau. J'adore. Et puis sur un body, je suis en train de mal fermer le truc. Ah, voilà. Et puis c'est très très important. Donc alors la culotte, elle a un peu style, enfin le bas du body, c'est un peu style maillot de bain. Mais au moins ça chauffera pas trop. Et puis il y a des petits boutons poussoirs. Et ça c'est juste top parce que j'ai un body où il n'y a pas ça et c'est un peu galère. Le body, il coûtait 36,90 €. Donc à 12 €, franchement, j'ai sauté dessus. Hein. J'ai également acheté chez H&M ce petit grand, on va dire, combi short. Donc c'est pour dormir, bien sûr, ou bien sinon pour être à la maison. C'est super loose et franchement j'adore. J'ai dormi avec hier soir, c'était juste top. Et je l'ai payé 5 €. Donc
on va pas faire la fine bouche, hein. Et franchement, c'est super sympa, vous êtes vraiment à l'aise à l'intérieur. Je vais pas vous le montrer en petite vidéo parce que bon, bah. Ça pige moi ça, quoi. Ensuite, chez Rouge-Gorge. Donc là, oui, je suis partie chez H&M et je reviens chez Rouge-Gorge. Et je suis partie chez Rouge-Gorge alors que je reviens chez H&M. Bref, on retourne chez Rouge-Gorge. J'ai acheté des culottes. Donc chez Rouge-Gorge, j'ai fini avec une note à 27 euros au lieu de je ne sais pas combien. Déjà, 27 euros, c'est moins cher que le body en lui-même. Donc je trouve ça super cool, je suis trop contente. Ensuite, comme je disais, faut acheter des sous-vêtements. Donc j'ai acheté des chaussettes chez H&M. J'en ai eu pour combien ? Pour 7,99€, il y en a 8 paires, je crois. Il y a 8 paires ou 7 paires. Franchement, ça vaut vraiment le coup. On va passer à la décoration. Et vu que c'est déjà accroché, je vous emmène avec moi. Donc voilà. Et faites pas attention, bordel. Alors, coucou ma fifi. J'ai acheté, enfin, on a acheté avec mon chéri cette horloge qu'on a mis au-dessus de la porte. Donc voilà, c'est chez Action qu'on l'a acheté. On l'a acheté pas cher, je crois qu'elle était à 10 euros, même pas. Donc on voulait absolument une grosse horloge pour mettre au-dessus. Bon, après, elle n'est pas immense, immense, mais franchement, elle est bien, j'adore. Ensuite, toujours chez Action, on va changer ça. Toujours chez Action, ça brûle. Une énorme bougie, toute rouge, au berry. Trop bien, ça sent trop bon. Ensuite, on a acheté ces trois petits tableaux. Forcément, c'est moi qui m'étais payé ça. Trois tableaux pour la cuisine. Je trouve ça super mignon et ça habille ma cuisine. Donc voilà. Ça habille ma cuisine, je trouve, j'adore. J'adore. Et je sais plus. Ah oui, coûtait 3 euros chaque tableau. Et c'était dans un magasin, en fait c'est un grand, enfin c'est un magasin avec plein de marques à l'intérieur de déco. Donc le magasin, en fait ça s'appelle, quel est le nom de ce magasin? Mais voilà, c'est juste top quoi, c'est des cases que je cherchais depuis longtemps. Et vous pouvez les retrouver aussi sur Cdiscount, j'en ai vu sur Cdiscount, pareil à 2,99€. Et ça vaut le coup. Dans ma chambre où on a pris ce petit tableau, toujours chez Action, il est juste trop bien, il s'allume. Oui, il s'allume, il est juste trop bien, il y a un petit bouton juste là, ça s'allume. Et puis il y a les flammes qui s'allument, c'est juste top. Et on a mis juste au-dessus du lit. Donc voilà, faut qu'on décale un petit peu le lit par là-bas pour l'avoir. Mais enfin, pour que ça soit vraiment droit. Mais franchement, trop bien, je suis trop contente. Et ensuite, une autre petite bougie de chez Action, toujours. Franchement, si vous savez pas où acheter des bonnes bougies qui sont super bons et pas trop forts, allez chez Action, c'est vraiment pas cher. Ça, j'ai dû payer quoi? Même pas 3 euros, quoi. J'ai acheté ma première tartelette de chez Yankee Candle. Donc, c'est Pineapple Cilantro. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon, franchement j'adore. Et c'était à moins 30%, donc en gros elles sont à 3 euros, je crois, les tartelettes. Enfin, ici du moins elles sont à 3 euros. Et je les ai payées du coup 1,50€ ou un truc comme ça. Et c'était vraiment trop bien, je suis trop contente. Elles sont. Ça sent trop bon quoi. Et je crois que je retournerai dans ce magasin. Donc c'est toujours le même magasin où j'ai acheté ça, où j'ai acheté les tableaux. Ça vient de chez. Quel est le nom de ce magasin? Tout simplement. Et en fait, c'est un magasin qui regroupe plein de petites marques à l'intérieur de décoration et tout. Et franchement, c'est trop mignon. J'adore. Et ces rideaux aussi, chez Babou. C'est ce que je me disais. Je me disais, ah bon, j'ai acheté que ça? En fait, non, si, j'ai acheté des rideaux comme ça. Je vais peut-être me mettre là, dans les escaliers. Vous allez peut-être mieux voir. Donc, c'est des rideaux orange et blanc. Donc, ils se remontent là avec un petit nœud. Parce qu'en fait... on avait des rideaux gris, mais je trouve que les rideaux orange, ça ramène beaucoup plus de lumière dans l'appartement. C'est juste trop trop cool, quoi. Et là, on a des rideaux orange que notre voisine nous a offert très gentiment. Voilà, qu'on a mis aussi dans l'entrée. Ah, et je suis trop contente. Bon, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais je suis trop contente. J'ai des petites tomates. C'est trop cool. C'est trop trop bien. Et tous ces plans-là, ils viennent de chez Action. Donc voilà mes amours, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon premier petit haul de solde de 2017, on va dire. Je pense qu'il y en aura un deuxième de tout ce que je vais ramener de vacances. Ça va être peut-être un peu plus conséquent. À mon avis, il y aura une partie 1, une partie 2. Et puis voilà, et n'hésitez pas à mettre plein de commentaires, je vous répondrai avec joie. Puis surtout,
Aïe. Surtout, n'oubliez pas, je vais vous faire plein de vlogs pendant les vacances. J'ai trop trop hâte de les commencer. On a acheté une GoPro. On l'a acheté à 60 euros au lieu de... Au lieu de combien? Au lieu de 120. Elle était à moins 50. Donc du coup, on a foncé dessus, on l'a prise. C'était juste... C'est trop bien, quoi. On a fait de l'affaire du siècle. Et du coup, on va filmer nos vacances. On a juste trop hâte de le faire. J'ai trop trop hâte et je commence dans 2 jours. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat aussi parce que je suis sur Snapchat. Je vais vous mettre là ou en début de vidéo. Non, plus là. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis à très 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 bientôt.